Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau bilan couture. Aujourd'hui, j'ai essayé de changer un tout petit peu le format. Comme depuis peu, j'ai un mannequin, je vous l'ai mis ici. Comme ça, je vous montre les pièces portées en même temps, ce sera plus pratique. De toute façon, vous aurez quand même après chaque cousette des vidéos portées sur moi. Mais je me dis que pour vous en parler, etc., c'est peut-être mieux si on a le mannequin juste ici. Donc voilà. Et j'ai mis un petit chapeau sur mon mannequin, j'aime bien. Parce que comme il n'a pas de tête, j'aime bien mettre mon chapeau par-dessus. Voilà. Si jamais vous vous demandez pourquoi il y a un chapeau sur le mannequin, pas vraiment de raison particulière, c'est juste que j'aime bien. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pièces à vous présenter, dont un flop, c'est même pas une pièce, j'ai carrément abandonné parce que c'était pas possible. Enfin, parce que c'était complètement un loupé, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer ça. On a des patrons que j'ai déjà fait, enfin un patron que j'ai déjà fait. Si vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous savez duquel je parle. Donc voilà, je vais vous montrer ça juste après. Et puis on va commencer par le premier projet. Donc le premier projet, c'est un projet qui traînait depuis longtemps, que j'ai coupé il y a très longtemps, avant de revenir sur YouTube, avant de... Bah, je pense au moment où j'ai arrêté YouTube, en fait, carrément. Ça fait très très longtemps qu'il était coupé et que j'avais rien fait. En gros, c'est un t-shirt que j'avais patronné moi-même sur un t-shirt que j'avais déjà. Donc, en fait, j'ai pris un t-shirt qui était beaucoup trop grand. Enfin, non. Enfin, je sais pas, en fait. Moi, de base, le t-shirt que j'avais pris, il n'était pas beaucoup trop grand. Il était un peu oversize, mais c'est tout. Lui, il est énorme. Mais je pense que c'est surtout au niveau de l'encolure que j'ai fait une beaucoup trop grosse encolure, pardon. Donc, au niveau du jersey, c'est... Oula, j'arrive pas à parler. C'est un jersey de coton que j'avais acheté chez Tissu de Rêve. J'avais toujours l'étiquette, donc voilà. Si vous... Voilà, je l'avais payé 5 euros pour 1 mètre. Mais en fait, j'étais allée à la boutique et quand j'étais allée à Paris, et il me semble qu'il y avait des promos en plus sur les étiquettes qu'il y a déjà. Pardon. Mais je saurais pas vous dire parce que ça fait vraiment longtemps, mais il me semble que c'était réduit, enfin, il devait y avoir 50% de plus que ce qu'il y a sur les étiquettes, je pense. Donc voilà, j'avais pris, parce que du coup, j'avais pris ce jersey pour faire des t-shirts. Donc j'avais découpé, comme je vous ai dit, sur un t-shirt que j'avais déjà, sauf qu'au final, il est beaucoup trop grand. Donc en fait, comme vous voyez un petit peu sur le mannequin, je le porte. En fait, je peux le porter sur une épaule. Genre, l'épaule, elle est tombante, quoi. Parce que vraiment, l'encolure est énorme. Puis les épaules, du coup, elles arrivent, enfin, elles tombent, quoi. C'est des épaules tombantes, vu que c'est trop grand. Mais bon, au final, je l'aime bien quand même. Je pense que... Et puis pour la bande d'encolure, en fait, c'était la première fois que je faisais ça. C'était la première fois que je faisais une bande d'encolure. J'ai suivi un tuto sur YouTube, je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, c'était la première fois que je faisais ça. Et ça s'est très bien passé. C'est juste que pour la taille de la bande d'encolure, j'ai galéré en fait. Même si dans le tuto, on nous explique très bien, mais je sais pas, moi, ça marchait pas trop bien. Bon, au final, j'ai bien réussi, ça va. Mais j'ai dû m'y reprendre à plein de fois. J'ai galéré parce que j'ai dû recouper, recouper, recouper parce qu'à chaque fois c'était trop grand. Mais voilà. Sinon, j'ai aussi cousu une petite étiquette que j'avais dans mon stock que j'avais acheté. J'avais acheté un lot de mercerie vintage sur Vinted il y a longtemps. Et du coup, j'avais des étiquettes et celle-ci, je la trouvais jolie. Ça décore bien le t-shirt, je trouve. Voilà, pour le bas, je me suis vraiment pas embêtée, je vais pas mentir, j'ai juste surjeté, mais en fait, je trouvais ça joli parce que ça fait. Enfin, je pense que vous verrez, ça fait des vagues. Du coup, je me suis dit, de toute façon, si je fais un ourlet avec les vagues, ça va être horrible. Donc, quitte à laisser comme ça, de toute façon, je vais souvent le rentrer dans mon pantalon. Donc, voilà. Donc, voilà, pour le tissu, je vous ai dit que c'était tissu de rêve, le patron, il n'y en a pas. Donc, voilà, je vais pas m'attarder plus sur ce t-shirt, mais. Je l'aime bien. Après, c'est pas mon t-shirt préféré parce que voilà, il est un peu grand et tout. Vous verrez sur les vidéos portées, c'est pas non plus l'idéal. Mais ça va, je l'aime bien quand même, il est joli.
passer au flop. C'est la deuxième cousette que j'ai à vous présenter. C'était dans les chutes de ce t-shirt, justement. J'ai voulu faire un débardeur. J'ai voulu recopier un débardeur que j'ai chez moi. Sauf que, en fait, comme déjà le tissu était. Bah, il est un peu transparent, quoi. Enfin, voilà, j'ai voulu doubler le devant. Donc tout se passe bien jusqu'à ce que, bah, du coup, c'est un débardeur où, en fait, tout le tour, en fait, est fait avec du biais. Donc j'ai fait mon biais dans mon jersey et tout, mais sauf que, du coup, bah, je pense que vous voyez là. En fait, quand j'ai posé mon biais, bah, ça a tout gondolé, quoi. Ça a tout fait des vagues. Sauf que bah, là, sur mon encolure, c'est très moche, quoi. J'avais clairement pas envie de porter ça, quoi. Donc j'ai abandonné, je l'ai même pas fini. Mais bon, normalement, du coup, le biais, il montait jusqu'en haut et ça se fermait derrière. Enfin, ça faisait des bretelles derrière, quoi. De toute façon, vous allez voir, j'ai deux débardeurs à vous présenter après. C'est un peu le même style. C'est juste que les autres, ils sont pas en jersey. Mais voilà, du coup, je l'ai même pas fini parce que. Voilà, quand j'ai vu que ça faisait ça, je me suis dit, de toute façon, en fait, je pourrais pas le porter. Et j'ai essayé de regarder sur internet et tout, et des gens disaient que ça gondolait tout le temps. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai mal cherché. Peut-être que si vous avez une astuce, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, parce que franchement, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, mais c'est pas l'idéal, quoi. Donc, bon. C'est un projet raté, c'est pas grave. C'était pour passer les chutes de mon t-shirt. J'avais envie de me faire un débardeur, mais bon, c'est raté. On passe à ma troisième cousette. Donc, c'est un débardeur, comme je vous disais juste avant. Si celui-ci est fait à partir d'un patron Burda que j'ai dans un magazine, hop, c'est celui-ci, le Burda Style du 10-2014. Et c'est ce modèle, hop, le modèle 118. Ah non, 117, pardon. 118, c'est la robe. Voilà, bon, je vais pas trop m'attarder sur ce projet. J'en ai un autre juste après. Enfin, un autre débardeur, du coup. Mais je vais pas trop m'attarder parce que je vous ai fait un vlog là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Donc c'est un petit débardeur tout simple. Normalement, en fait, il y a deux débardeurs superposés. Moi, j'ai fait que celui par-dessus, du coup. Donc celui-ci, je l'ai réalisé en double gaze que j'ai aussi acheté chez le Tissu de Rêve. Hop, donc celui-ci, j'ai gardé aussi l'étiquette. J'avais 80 cm pour 5,50 €. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, mais juste, en fait, comme je vous explique dans le vlog. Hop, ici il est super évasé et du coup bah j'ai un peu de mal à le porter. Bon, après il n'y a pas non plus eu les super beaux jours ces derniers temps. Il fait un peu beau, mais pas non plus assez pour que je me balade en débardeur comme ça. Donc je sais pas encore si je vais le porter. Je pense que je le porterai un peu de temps en temps parce que quand même je l'aime bien, mais la seule chose qui m'a posé problème et qui m'a posé difficulté, c'est l'encolure en V. Du coup, la pose du biais, parce que du coup, c'est pareil, c'est tout le tour, etc. Les bretelles, c'est tout dans le biais du tissu, en fait. Donc, j'ai fait mon biais à partir de ma double gaze. Et du coup, bah, j'ai un peu galéré à faire mon col V. C'est pour ça qu'il y a un petit bouton ici. Parce que j'ai un peu rafistolé. De base, c'était vraiment moche, c'était pas du tout un V. Et du coup, j'ai rafistolé avec un bouton et des coutures à la main pour que ça fasse vraiment un V. Au final, j'aime bien qu'il y ait le bouton. Je rattrape souvent comme ça d'ailleurs. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Et puis, même en général, j'aime bien mettre des petits boutons décoratifs vers le décolleté. Donc voilà. Mais bon, au final, c'est bien rattrapé. Je pense que si j'avais pas réussi à le rattraper comme ça, honnêtement, je l'aurais jamais mis. Maintenant, le seul truc qui pose un petit peu problème, c'est qu'il est court. Il est vachement court. Mais bon, en fait, il est court devant et il est plus long derrière. Hop, si, hop, dans le derrière, du coup, c'est comme ça. Donc, le biais revient derrière ici. Et le dos est comme ça. Bon, c'est pareil. Il a un peu. Les bretelles, je les ai pas super bien posées. Donc, voilà, c'est mon premier essai, pardon. Mais bon, au final, je l'aime bien quand même. Est-ce que je vais le porter? Je sais pas. Je vous le dirai plus tard, mais bon. C'est. Pas totalement raté, c'est juste que c'était mon premier et pour l'encolure j'ai galéré, donc voilà.
Mais je me suis pas arrêtée là, du coup, j'ai fait une deuxième version qui est un peu différente. Je vais vous la montrer tout de suite. Voici ma deuxième version. Il est un petit peu différent parce que du coup l'avant est complètement doublé. Comme le tissu était un peu transparent, je l'ai entièrement doublé. Et j'ai fait des modifications, notamment j'ai rallongé un petit peu et j'ai fait des modifications aussi sur le patron afin de réduire l'ampleur dont je vous parlais tout à l'heure sur les côtés. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai fait en vlog avec vous, justement le vlog dont je vous parlais. En fait, je pousse celui-là avec vous. Du coup, l'encolure est dégagée, il n'y a pas de biais dessus vu que c'est doublé, donc je préfère. Bon, le V, on n'est pas sur un V parfait, c'est un peu un V arrondi. Mais bon, au final, j'aime bien quand même. Pour le biais, j'avais pas assez de... Enfin, j'avais pas assez de tissu pour faire mon biais moi-même dans ce tissu. Parce que justement, c'est aussi un tissu de chez Tissu de Rêve. J'ai cousu tous mes tissus de rêve dans ce bilan couture. Donc celui-ci, j'avais 60 cm pour 3,50 €. Donc voilà, celui-là, je savais que j'en avais pas beaucoup quand je l'avais acheté en me disant, je sais pas ce que j'en ferai parce qu'il n'y a rien. Mais je le trouve joli. Et donc voilà, je me suis dit que le débardeur, c'était parfait. Enfin, c'était la bonne solution, quoi. Bah, celui-ci, j'en suis très contente. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Avec une veste, etc. Parce qu'il fait pas encore assez chaud. Mais voilà. Hop. Comme je vous ai dit, j'ai réduit l'ampleur. Et derrière, hop. Voilà. Du coup, comme j'avais pas assez de tissu pour faire mon biais moi-même, j'ai utilisé du biais blanc que j'avais dans mon stock. Vous voyez bien que c'est pas, enfin, le tissu n'est pas blanc blanc, du coup ça fait un peu un décalage. J'avais peur au début dans le vlog, je vous disais que j'avais peur que ce soit pas joli. Et que comme c'est pas la même texture, ça c'est une viscose, je pense c'est hyper fluide et ça c'est du coton, ça se tient un peu plus. Au final, je trouve que justement ça apporte de la tenue au débardeur et c'est mieux. Bon, pour la couleur, ça se voit pas tant que ça en vrai. Comme le V devant est pas avec le biais au final, ça fait, ça, c'est pas dérangeant, c'est joli quand même. Donc voilà, j'en suis plutôt contente. La seule chose qui tâche dans ce débardeur, et je pense que vous l'avez vu depuis le début, c'est l'ourlet en bas qui repique et tout. Enfin voilà, c'est vraiment pas joli. Je sais pas trop quoi faire parce que j'ai fait un simple rentré parce que si je faisais un double rentré. Bah, au final, en fait, il va re-être court et je pourrais pas le remettre dans mon pantalon, le rentrer dans le pantalon. Là, déjà, je galère à le rentrer dans le pantalon. Bah, c'est vraiment juste pile poil. Donc, en fait, c'est pas dérangeant parce que quand je le porte, ça se voit pas vu que c'est rentré dans le pantalon. Mais j'aurais voulu que ce soit plus propre. Mais si je le fais plus propre que ça, au final, je pourrais plus le rentrer dans mon pantalon et c'est vraiment pour ça que je le veux. Donc, voilà, c'est. En fait, comme devant, c'est doublé, j'ai vraiment galéré à faire mon ourlet. Ça tourne, ça rebique, enfin c'est vraiment pas joli. Derrière et tout, c'est joli, l'ourlet va très bien, mais c'est juste devant, comme c'est doublé, je sais pas, ça fait n'importe quoi et c'est pas joli. Mais bon, comme je le porte comme ça dans mon pantalon, ça se voit pas. Celle-ci, je l'adore, franchement, j'en suis vraiment contente. Un petit fil. C'est une blouse, du coup, toujours dans un tissu de rêve. C'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment utilisé tous mes tissus de rêve dans ce bilan couture. Hop, c'est le dernier que je vous présente de chez Tissu de rêve. Hop, celui-ci, du coup, j'avais eu 1,50 m pour 15 €. Voilà. Mais je pense vraiment qu'il y avait des réductions en plus et que je les ai eues à moins 50%. Et donc c'est un peu du coton brodé. Vous voyez, je pense que vous voyez. Voilà. On a des petites broderies un peu en forme de gouttes. Enfin voilà. Gouttes cachemire. Enfin je sais pas. Oh non, il est taché.
Bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Donc, que dire de cette petite blouse? Franchement, j'en suis super contente. C'est une blouse que j'ai réalisée d'un Burda Easy. Burda Easy, janvier 2019. Voilà. Donc, on a trois blouses. Et donc, en fait, je vous explique. C'était pas du tout censé ressembler à ça. Vous voyez bien dans les modèles qu'il n'y a aucun modèle qui ressemble à ça. En fait, moi de base, je voulais réaliser le 2A, donc celui-ci. Sauf qu'en fait, quand j'ai décalqué les bonnes manches, sauf que j'avais pas vu qu'il y avait un repère qui... En gros, ça, c'est les manches aussi pour le 2B, donc celui du milieu. Et il y avait un repère où ici, il fallait couper pour le 2A, et sinon, c'était le 2B, sauf que moi, je l'avais pas vu. Donc, j'ai pris la manche en entier. Et du coup, j'ai quand même ajouté le volant qui est censé être à la fin. Bah à la fin de ma manche. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'était pas du tout prévu, c'était pas censé ressembler à ça, mais au final je l'adore comme ça et je la préfère comme ça que ce qu'elle aurait dû être de base. Donc c'est une erreur, mais dont je suis très contente au final. Donc voilà. Que dire? J'ai utilisé à peu près. J'avais 1,50 m et j'ai des chutes, donc il doit me rester, je sais pas, 30 cm. Donc j'ai utilisé 1 m et quelques. Et eux, ils préconisent beaucoup plus que ça, je crois. Ils préconisent 2 m de tissu. Alors que moi, j'ai fait les manches plus longues que ce qui devrait être de base, en fait. Attendez, je vais vous dire combien ils préconisent. Normalement, pour la version A que moi, j'étais censée faire de base, du coup, parce qu'au final, c'est la version A, mais avec un peu plus de tissu. Ils préconisent 2,10 m de tissu. Bon, c'est Burda. J'essaye même plus de comprendre. J'en parlais avec Maeva de la chaîne Prunelle de la Couture, si tu passes par là. Que Burda, c'est. On essaye même plus de comprendre. Ils me disent que j'ai besoin de 2,10 m de tissu. J'en utilise plus que ce qu'il faut. Et je la rentre dans 1,30 m. Donc bon. Même pas, peut-être même un peu moins. Je pense que ça rentre dans 1,10 m, honnêtement. Enfin, je sais pas, mais. Enfin voilà. En tout cas, ça change pas le fait que je l'adore. J'ai fait du coup les manches pas comme il fallait, mais j'adore. En fait, j'adore l'effet que ça fait du coup, même si c'est un tout petit peu grand. Dans le sens où bah, c'était pas prévu comme ça, et du coup, les manches comme ça, volantées, elles tombent vraiment, vraiment sur ma main, quoi. Mais en vrai, c'est joli. Normalement, la blouse, je vais vous mettre une photo. J'avais fait la blouse bah, de base. Elle arrivait ici, elle n'était pas élastiquée, mais moi j'aimais pas. Je trouve que ça faisait pas assez, bah, c'était pas assez moderne. Enfin, je trouve que c'était pas joli sur moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci, j'ai fait un ourlet et j'ai rentré un élastique. Comme ça, je trouve ça plus moderne et plus joli sur moi. Pour ce qui est du col, c'est une parementure. Hop. Je pense que voilà, là vous la verrez ressortir. C'est une parementure. Derrière, c'est tout simple. C'est pareil, une parementure sur le derrière. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le patron, le tissu. J'ai fait beaucoup de cousettes Burda. En fait, là, je suis en train de ressortir tous mes magazines, etc. Et j'aime bien. Je trouve que. On n'utilise pas assez nos magazines et du coup j'essaye d'utiliser mes magazines au maximum. Puis les Burda ici c'est facile quoi, même si c'est quand même plus facile que les Burda style quoi. Parce que pour le débardeur que je vous ai montré avant, j'ai pas vraiment suivi la gamme de montage parce qu'il n'y a rien écrit presque en fait. Alors que bon, le Burda ici déjà ça nous aide un peu plus quoi. Enfin bref, voilà pour cette cousette. Je l'ai déjà portée pas mal de fois. Parce qu'en plus c'est manches longues, donc comme il fait encore un peu frais et que c'est manches longues, mais qu'il y a des petits trous parce que c'est un coton brodé mais un peu ajouré, donc voilà. Je trouve que ça c'est parfait pour le temps qu'il fait en ce moment, donc j'aime bien la mettre en ce moment et voilà.
coup, je pouvais pas m'arrêter là. J'en ai fait une deuxième version. Celle-ci, elle n'était pas du tout prévue. Mais en fait, c'était assez marrant parce que j'étais en train de discuter avec Cassandra de la chaîne KPKF. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Et du coup, on parlait que souvent, ils ont fait des coutures, enfin, on prévoit des projets, etc. Mais au final, on fait des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. Littéralement 5 minutes après cette discussion avec Cassandra, je regarde le bilan couture de Happy as a Bee. Et j'ai trouvé une blouse, je me rappelle plus laquelle, mais qui m'a vraiment beaucoup inspirée, que j'ai trouvé trop belle. Et du coup, ben, je me suis lancée comme ça en me disant, oh, ben, je vais hacker ma blouse Burda et je vais faire pareil. Voilà. Donc, la voici. Pour le tissu, c'est un coton brodé. Je pense que, je ne sais pas si vous verrez bien les petites fleurs. Mais il y a des petites fleurs brodées. Si vous ne voyez pas, je vous ferai un petit insert. Voilà. Donc là, vous vous dites, ah, bah, t'as fait la blouse de base en fait, j'ai fait les vraies manches. Voilà, donc les manches c'est censé être comme ça, du coup j'adore. Franchement, je trouve ça trop mignon. Mais avec ce tissu, je trouve ça trop joli. Avec l'autre, je préfère celle que j'ai fait, vous voyez. Donc voilà. Pour ce qui est du bas, en fait, c'est le bas de mon tissu qui était comme ça, avec des petits fils comme ça, et je trouvais ça joli. Donc je me suis débrouillée pour que ça fasse le bas de mon petit bas. J'ai essayé de m'amuser à faire un point décoratif pour le col pour plaquer ma parementure. Je vous montrerai de plus près tout à l'heure parce que là vous verrez rien. Bon, au final, comme j'ai une singère vraiment de base, il n'y avait que un ou deux points décoratifs. Bon, je ne sais pas trop si j'aime. Enfin, ça se voit pas trop déjà. Et on dirait juste un point zigzag en fait. Donc. Au final, c'est pas super joli, mais bon, c'est pas très grave. Donc, les manches volantées comme ça, j'adore. Franchement, je trouve ça trop mignon. Et ce qui fait tout, et ce qui fait que j'ai hacké cette blouse, parce que là, vous vous dites, mais Gaëlle, tu as fait la blouse de base. Eh ben non. Voilà, j'ai patronné un décolleté en V dans le dos. Voilà, j'ai juste taillé un V dans le dos, et pour la parementure j'ai fait pareil, je me suis fait ma parementure en V. Franchement, j'étais très contente de moi parce que j'ai pas galéré du tout. Mon premier essai, ça tombait pile poil pour ma parementure et tout, j'ai vraiment bien bien calculé. Donc j'étais plutôt contente et fière de moi. Pareil pour du coup, comme j'ai utilisé ça pour le bas de mon tissu, fallait que je tombe pile poil entre l'avant et le dos pour que j'ai pas à faire un ourlet et que ça tombe bien, parce que si j'avais eu à faire un ourlet, du coup ça aurait tout gâché quoi. Et je suis tombée vraiment pile poil. Donc franchement, c'était une couture rapide, facile, et franchement, tout est allé comme sur des roulettes. Donc voilà. J'ai voulu rajouter des petits boutons dans le dos pour une touche de couleur, du rouge. Toujours du rouge. Et puis je trouvais ça plus joli, même si en soi le tissu se suffit à lui-même, parce qu'avec les petites fleurs comme ça, c'est déjà super beau, mais je trouvais ça super joli d'ajouter des petits boutons pour une petite touche de couleur. Donc voilà, ça me fait un joli décolleté dans le dos. Le seul truc, c'est que j'avais pas calculé que comme il y a un décolleté dans le dos, mes manches, elles ont tendance à pas tenir super bien. Enfin, du coup, il est limite un peu grand. En soi, il n'est pas. Enfin, il tombe pas. Je peux le mettre et je peux la mettre et ça va. Je l'ai porté qu'une fois pour l'instant, mais je peux la mettre et ça va. C'est juste que ça aurait été encore mieux si c'était un tout petit peu plus petit, parce que comme il y a le décolleté dans le dos et tout, mes manches tiennent pas non plus super bien en place sur mes épaules, vous voyez. Donc bon. Je peux la mettre, c'est bien, mais si j'avais fait la. Je pense j'ai fait la taille la plus petite de toute façon. Ah, je vous ai pas dit les tailles que j'ai fait à chaque fois. Je fais toujours la taille la plus petite en fait, 34. Chez Burda, ils font 34, donc je prends toujours 34. En fait, je prends toujours la taille la plus petite parce que je suis quand même assez fine. Donc voilà. Voilà pour cette petite blouse. Franchement, j'en suis super contente. Je la trouve très jolie. Hop, je vais l'enlever pour vous montrer le point décoratif qui ressemble juste à un point zigzag, mais c'est pas grave. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais hop, et comme ça, vous voyez aussi les petites fleurs sur le tissu. Voilà, donc je suis aussi plutôt contente de cette cousette, et puis
C'est tout pour mes blouses. En fait, pour les débardeurs et les blouses, j'en ai fait deux à chaque fois. Que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis un moment. Je peux pas le mettre. En fait, je sais pas si c'est possible. Je voulais vous demander, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des mannequins comme ça. Moi, je l'avais trouvé chez Emmaüs. Juste, on peut pas mettre de pantalon sur un mannequin, non? Enfin, peut-être que ça va être une question vraiment bête et que vous allez vous foutre de ma gueule. Mais on est d'accord, on peut pas mettre de pantalon sur un mannequin. Bon, si jamais, répondez-moi en commentaire sans vous moquer de moi parce que c'est une vraie question. Donc, revenons-en à nos moutons. Si je vous montre ce livre, vous allez comprendre directement. J'ai refait encore un pantalon Anja du livre Homeware. Hop, c'est ma quatrième version. Hop, le voilà. C'est ma quatrième version, j'adore ce pantalon. Je sais même pas quoi vous dire de plus. Si vous me suivez depuis longtemps, vraiment, vous savez que je le fais tout le temps. On a des deux plis devant. Hop. Un grand et un petit. On a une ceinture et derrière, c'est une ceinture qui est élastiquée. J'ai refait des poches comme je fais dans toutes mes versions maintenant. Il n'y a que la première qui n'a pas de poche, mais sinon je fais des poches parce que. Bah, c'est tellement plus pratique d'avoir des poches. J'ai fait mes poches dans le même tissu. Comme ça, c'est. Bon, c'est joli. Hop. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce pantalon? J'ai pas eu de difficultés particulières. Hein. De toute façon, je connais le patron par cœur maintenant. Pour le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté de seconde main que je vous ai montré dans mon dernier haul. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller parce que franchement, j'ai fait des super affaires dans un vide-grenier. Du coup, bah, pour le tissu, je peux vous dire quoi, il a dû me coûter 30 centimes à peu près, vu que c'était dans un lot qui coûtait déjà 1 euro. Donc voilà, je suis plutôt contente. Dès que j'ai vu ce tissu, je voulais m'en faire un Anja en fait. J'ai su directement que je voulais me faire ce pantalon. Pour le tissu, je sais pas trop ce que c'est en fait, mais il est tout doux, il est pas très épais. Et ouais, je sais pas, il est un peu texturé. Enfin, il y a des petites traits, je vous le montre dans mon haul, mais je sais pas si là vous arriverez à voir. Hop. Voilà. Et du coup, il y a les petits points. Honnêtement, en fait, quand je l'ai. Bah après l'avoir fini, je me suis rendu compte que je sais pas vraiment si je vais beaucoup le mettre. Enfin, parce que je sais pas avec quoi l'associer en fait. Je trouve qu'il est super dur à associer au final. Donc, avec ma blouse. Attendez, hop. Avec celle-ci, par contre, ça va bien. Hier, j'ai porté ça. Les deux ensemble. Hop. Oula. Et je trouve qu'ils vont bien ensemble parce que, en fait, ça, faut le mettre avec du blanc. Ou peut-être du noir, mais à part avec du blanc et du noir, et sans motif. Bon, là encore, c'est pas vraiment un motif, enfin, c'est directement sur le blanc, donc ça va. Vous voyez, ça va quand même bien ensemble. Mais sinon, je vois pas vraiment avec quoi je peux le porter en fait. C'est juste un peu ça qui me dérange, parce que même avec un pull comme j'ai là, oh, quoique avec celui-là, ça peut être pas trop moche. Mais franchement, je sais pas trop comment le porter, donc si vous avez des idées. Mais ouais. Hier, je l'ai porté avec la blouse que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais sinon, je vois pas trop comment je peux le porter. Mais sinon, je l'aime beaucoup, franchement. Pour celui-là, c'est pareil. J'ai pris le bas du tissu. J'ai pas fait d'ourlet. Hop, attendez. Je l'ai rallongé un peu, comme à chaque fois que je le fais. Je le rallonge de quelques centimètres parce que sinon, il tombe un peu court. La première version que j'avais faite, fleurie, elle est un petit peu courte. Donc à chaque fois, je le rallonge un peu.
Voilà. Voilà, hein, pas de difficultés particulières. J'ai fait que des projets super simples. Franchement, c'est des projets que j'aime et qui sont vraiment pas compliqués. Le hanja, je le connais déjà par cœur. Les blouses, c'est une blouse Burdaisy, vraiment pas compliquée quoi. Le débardeur, bon, c'est Burda Style, mais c'est pareil, c'est vraiment pas très compliqué. J'avais pas envie de me prendre la tête et je pense qu'on est un peu toutes comme ça parce que même Audrey en parlait dans son dernier bilan couture que c'est bien de faire des coutures simples. Donc voilà. Je suis plutôt contente de ce pantalon. Là, ça sent vraiment le printemps quand on voit ça. Celle-là, j'aurais pu vous la mettre sur le mannequin d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Bon, j'ai un peu galéré, mais j'ai essayé de vous monter le mannequin au maximum pour que vous puissiez voir, mais en fait, vous voyez pas très bien. C'est une jupe portefeuille, donc je vais vous montrer. C'est aussi d'un Burda Style. Alors, attendez, parce que j'ai encore mon patron décalqué ici. Hop, voilà, c'est la jupe qui est juste là. Voilà, et c'est du Burda Style janvier 2015. Donc, cette jupe, je vous ai menti tout à l'heure quand je vous ai dit qu'on avait fini avec les tissus de rêve, parce que c'est encore un tissu de rêve. Mais lui, je l'avais commandé, je l'avais acheté, je sais plus quand, mais ça fait un moment et je l'avais commandé sur le site. Je vais essayer de vous lever le mannequin, je sais pas si vous allez voir en fait. Parce que du coup, même. Enfin, voilà. C'est une jupe vraiment comme ça, qui part un peu sur les côtés, quoi. C'est une jupe un peu portefeuille. Et là, en fait, vous voyez qu'il y a une épingle, il n'y a pas de bouton parce que j'ai pas encore posé mon bouton. Je vous ai fait un sondage sur Instagram avec ces trois boutons. Parce que celui-là, en fait, je l'aime vraiment beaucoup. Mais est-ce que ça va pas faire un petit peu trop bling bling, quoi, que vraiment c'est joli. Et puis il y a celui-là qui fait un petit peu un effet bois. Voilà. Et lui, je me dis que ça peut être vraiment beau. Après, il y a celui-ci, mais celui-là, pardon, je le trouve un peu trop grand. Et d'ailleurs, vous hésitez entre ces deux-là sur Instagram. Celui-là, je crois qu'il a qu'un seul vote. Mais parce que, en fait, il aurait été joli, mais il est un peu trop grand, je trouve. Enfin bref. Donc j'ai pas encore posé mon bouton, mais sinon, elle est finie. Qu'est-ce que je peux dire sur cette jupe? J'ai pas mal de trucs à dire sur cette jupe. J'ai un peu galéré parce que quand j'ai décalqué mon patron, il n'y a pas les pinces sur le patron. Enfin, en fait, on voit qu'il y a des pinces à faire parce que sur le livret, enfin sur le. Attendez, il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Là, hop, quand on prend le modèle 108. Hop, voilà. En fait, quand vous voyez les pièces là, attends, je sais pas si vous allez bien voir, enfin, je sais pas si je montre au bon endroit, mais voilà, ben, on voit qu'il y a des pinces. Sauf que quand on décalque notre patron, il n'y a pas les pinces sur la planche. Enfin, moi, en tout cas, je les ai vraiment pas vues. Et j'ai cherché pendant 10 minutes, j'ai pas vu les pinces. Donc, j'ai fait mes pinces moi-même. En fait, j'ai mesuré tout le tour que ça faisait, mon tour de taille, et j'ai fait des pinces pour que ça aille bien à ma taille, quoi. Du coup, je pense que je les ai fait même plus grosses que prévu. Parce que là, sur celui-ci, ça va que de la taille 36 à 44. Et 36, c'est trop grand pour moi. Donc, j'ai fait des plus grosses pinces. J'ai pas suivi la marche à suivre parce que eux, ils mettent un ruban en fait en tant que ceinture. Moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. Du coup, j'ai rentré pour faire ma ceinture. En fait, je pense que j'aurais dû faire une ceinture, rajouter une ceinture. Parce que là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai thermocollé. Je vais vous montrer, je vais la détacher. Hop. En fait, moi, j'ai thermocollé. Hop, attendez, attendez. Hop. Parce que du coup, en fait, je la trouve pas très jolie. Enfin, elle est pas très bien finie, en fait.
Elle va être jolie portée, mais il faut pas s'attarder sur les détails parce qu'elle est vraiment pas. En fait, j'ai fait d'abord un ourlet, enfin un petit rentré, et après j'ai thermocollé. Voilà, pour que ça fasse comme ça. Donc là, ça va encore. Vous voyez, c'est joli ici. Mais en fait, il y a des endroits où, par exemple, là où il y avait les pinces, où en fait, ici, ça fait un peu gondoler parce que du coup, il y a la pince qui se place pas très bien dans l'ourlet. Et surtout de l'autre côté, c'est encore pire. C'est vraiment pas beau. Ça fait même un pli ici. Enfin, vous voyez, c'est pas très propre, quoi. Donc, bon. Comme ce sera en portefeuille, ça va pas trop se voir. Mais bon, je suis pas, voilà, je suis pas ravie des finitions. Et ben ici, j'ai fait qu'un simple rentre. Oh là là. Parce qu'en plus, au début, je croyais que le tissu s'effilochait pas trop. Mais au final, il s'effiloche beaucoup. Ça fait. En fait, le truc, c'est que ça gondole déjà avec un seul ourlet dans ce tissu. Du coup, je me suis dit que si je faisais un double ourlet, ça allait faire n'importe quoi. Parce que ici, j'ai fait un double ourlet, c'est pareil, ça gondole. Sauf que du coup, avec un simple ourlet, bah, le tissu il s'effiloche, donc c'est pas joli parce que j'avais pas voulu surjeter parce que bah, je surjette en blanc, j'ai que du blanc. Donc en fait, ça aurait fait un surjet blanc et on l'aurait vu, donc ça aurait pas été joli. Donc je sais pas trop quoi faire, surtout que c'est super long à faire l'ourlet. J'ai mis 10 ans à faire l'ourlet tout le long de la jupe. Donc bon, est-ce que je vais refaire un deuxième contré? Je sais pas, parce qu'en fait j'ai peur que ce soit vraiment moche et que ça fasse, que ça gondole encore plus et que ce soit pas joli. Donc je sais pas, cette jupe je suis un peu perdue. Je vais déjà faire ma boutonnière et mettre mon bouton. Et puis, parce que je pense que je vais prendre celui-là quand même. Je pense que je vais prendre le pardon, j'y arrive pas. Je pense que je vais prendre le bois. Le soleil, il est super joli, mais je sais pas. En fait, je sais pas, j'hésite vraiment entre les deux. Mais bon. Voilà, je sais pas trop. Cette jupe, je suis un peu mitigée dessus parce que en soi, déjà le tissu, je le trouve magnifique. Hein. C'est rouge, c'est des fleurs, c'est vraiment l'été, le printemps, quoi. Mais bon, je suis mitigée par rapport à mon ourlet avec le tissu qui s'effiloche et qui ressort. C'est vraiment pas beau. Donc, je pense que je vais faire un double rentré, même quitte à ce que ce soit pas beau. Là, c'est vraiment pas beau. Donc voilà pour cette jupe. Encore une fois, pour la marche à suivre, bon, c'est Burda Style, donc c'est pas facile à comprendre. Et surtout que eux, pour la ceinture, ils avaient pas prévu ça, ils avaient prévu un. Comment ils disent? Parce que j'ai dû chercher sur internet, je connaissais même pas ce terme. Eux, ils parlent de ruban de reps. Voilà. Ça se trouve, vous connaissez, hein, parce que moi je connais pas, mais après, je suis pas non plus une experte en couture. Mais bon, voilà, eux, ils mettent un ruban de reps en ceinture. Voilà, moi j'avais pas du tout envie de mettre un ruban, donc j'ai juste fait un rentré et j'ai thermocollé pour que ça se tienne un tout petit peu plus. Et au final, au début de la ceinture, c'est joli, c'est juste qu'après, avec les pinces et tout, ça fait un peu n'importe quoi. Mais en soi, ça va, c'est juste à la fin que c'est pas très joli. Enfin bref, voilà, c'était la dernière cousette que j'avais à vous présenter. Elle est pas totalement finie, il manque juste le bouton, mais bon, je voulais vous la présenter quand même. Vu que ce sera fini dans la journée, c'était juste que j'ai fait le sondage tout à l'heure pour le bouton sur Instagram, donc j'attendais d'avoir vos avis avant de le faire. Je voulais juste vous faire un petit aparté pour vous dire que du coup j'avais utilisé le bouton soleil, mais que j'ai dû poser aussi un bouton pression parce que j'ai posé le bouton du mauvais côté, je pense, ce qui fait que sinon bah, l'autre partie que j'ai fixée avec le bouton pression tombait et elle n'était pas fixée, enfin du coup c'était pas joli. Donc j'ai fixé aussi le bouton pression de l'autre côté et là ça tient bien et le rendu est joli même si du coup on voit le bouton pression, c'est pas ce qu'il y a de plus beau mais comme j'ai blanc, enfin j'en avais pas de rouge donc j'ai pris un blanc, je trouve pas ça non plus moche. Voilà. Donc voilà, j'espère que les pièces que je vous ai présentées vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, bah du coup à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à la prochaine fois. Bisous!